Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la présentation d'une toute nouvelle collection automnale qui s'appelle Douce Saison. Il y a donc des cadres, des compositions et des bordures, le tout comme d'habitude disponible en fichier silhouette pour faire du print and cut, mais également en JPEG PDF si vous n'avez pas de machine de découpe, ainsi vous imprimez et découpez au ciseau. Et il y a aussi les PNG individuels associés à SVG de découpe, une ligne de découpe pour le contour, pour découper, faire du print and cut avec les machines qui proposent cette option, autre que silhouette. Alors, je ne vous ai pas mis là, mais il y avait aussi les die cuts. Il y a aussi des papiers scéniques et cette fois-ci, il y en a plus que d'habitude. J'en ai fait 13, de quoi réaliser un très bel album rapidement, sans trop de décoration car les papiers le sont déjà. Donc vous voyez, ils sont vraiment très automnales avec principalement des fleurs, une petite touche de bleu vert car j'adore le bleu. Si vous ne me suivez pas depuis longtemps, ben maintenant vous le saurez, il y a régulièrement cette couleur dans mes albums, dans mes créations et donc dans mes kits. Alors ici, ce sont donc des papiers A4 à imprimer. Donc vous les imprimez chez vous avec une imprimante jet d'encre. Personnellement, je favorise le DCP Clairefontaine 200 g, mais je vais imprimer sur un papier mix média pour ce petit côté cartonné. Je ne sais pas comment expliquer, mais je vais essayer de faire ceci. Il y a aussi un pack de papier basique et un pack de papier plutôt avec des motifs. Et cette fois-ci, il y a beaucoup moins de papier à motifs, idéal pour réaliser des fonds. Il y a aussi des cartes que je n'ai pas mis en vidéo. Et j'espère quand même que cette présentation vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un album. Bye bye !